Bonjour, bonsoir à tous, ici Hightech et je suis en compagnie de Polaris. Et aujourd'hui, on va vous présenter un petit tuto StarCraft, quelques tutos pour débutants. Aujourd'hui, on va vous présenter le Six Pool. Donc un petit tuto Zerg, c'est pas très très difficile à réaliser, hein. Donc oui, bon là je suis en bronze, mais c'est sur le ladder américain, donc je me suis volontairement mis en bronze. Le Six Pool, donc bon, c'est mondialement connu, hein, je veux dire, c'est une stratégie, il me semble, qui vient de la Ligue Cuivre de Brood War, qui consiste en gros à lancer la Spawning Pool directement à 6, et ensuite à faire que du Zergling. Donc c'est un all-in, parce que vous n'aurez pas une grosse économie derrière. Disons, en bronze, ça peut passer, en argent un peu plus difficilement, et en or et au-dessus, ça passe plus. Enfin, si ça passe, mais coup de chance quand même. Hein. Coup de chance. Ouais, faut avoir une bonne micro-gestion en fait. Voilà. Mais vraiment très très bonne. C'est un peu comme le rush probe, hein. C'est le même principe. Même si je vous avouerai que j'ai gagné le match que j'ai gagné là tout à l'heure, c'était avec un rush probe. En même temps, en ligue bronze, il y a des mecs qui commencent donc ils connaissent même pas. Il était en argent. Ouais, c'est vrai. Et il m'a dit GG. Il faudrait peut-être trouver quelqu'un quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est bon, ça fait que une minute qu'on attend. Là, voilà, partie prête. Ouais. Tu vois. Donc, le six pool, on va faire un timing six pool un peu optimisé, on va dire, pour avoir un maximum de zergling. Et génial, c'est encore un zerg. Par conséquent, il y a des chances que ça passe pas, parce que le scout arrive assez tôt en zerg. Ouais, et il a l'air d'être... peut-être d'avoir un bon niveau, vu qu'il a la tête campagne brutale. Ouais, mais celle d'HOTS, c'est pas comme si t'avais celle de Wall, quoi. Ouais, mais bon. Tu fais pas de... Alors là, le principe, c'est tout bête, hein. Vous faites pas d'ouvrier dès le début. Vous attendez d'être à 200 de minerai. Ouais, à 200 de minerai, vous lancez une poule pour créer les zerglings, en fait. Voilà, tout bêtement. Et après, vous envoyez que du zergling et que du zergling. C'est... Enfin, le principe bon, est tout bête. C'est un six pool un peu custom. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est optimisé pour avoir un maximum de zergling. Ouais, mais un peu custom, quoi. Et en fait, le principe, c'est de faire deux extracteurs trick pour avoir 4 zergling de plus, ce qui vous en fera 10 qui attaquent au lieu de 6. Même si les deux derniers arriveront un petit peu plus tard, parce qu'il faut attendre que les deux larves soient revenues. Donc, voilà. Donc là, je lance deux ouvriers, après avoir lancé la poule, hein, c'est deux ouvriers. Ensuite, on attend tout bêtement que la spawning pool se finisse, là. Et puis, une fois qu'elle est finie, eh ben, on lance les zerglings, et puis c'est bon. Donc hop, on va l'envoyer directement dans sa base. Voilà. Donc, c'est pas une stratégie qui demande beaucoup de micro-gestion ou quoi. Ça permet de gagner assez facilement quand on est à bas level. Enfin, sans vouloir insulter les gens, hein, bien sûr. Le niveau, il monte au fur et à mesure, comme tout le monde, quoi. Donc voilà, là, j'ai lancé mes 6 zerglings, vu qu'il y en a 2 par œuf, n'est-ce pas? 2 par petit cocon. Voilà, parce que c'est magique. Donc là, après... Je vais lancer les deux extracteurs. Voilà, vous lancez deux extracteurs. Vous attendez d'avoir deux larves, vous voilà, faites deux zerglings. J'envoie deux zerglings, j'annule l'extracteur, j'envoie mon drone sur le minerai, j'annule, j'envoie. Voilà, tout bêtement. Et là, j'attends la prochaine larve et j'envoie un dominant. Voilà, c'est ça, voilà, tout bêtement. Et là, maintenant, il vous reste plus qu'à attaquer et à vous faire plaisir. C'est ça. Amusez-vous bien, les enfants. Ouais. Bon, après, c'est assez bizarre parce qu'il m'a pas encore scouté. Ce que je trouve assez risqué de la part d'un zerg. Hop là. Là ouais, t'attends. Donc oui, si c'est un autre zerg, bah, faites comme Polaris. Hein. Attendez en bas de sa pente, de toute façon il vous verra pas, à moins qu'il y ait un dominant. Mais ça vous permettra d'accumuler vos 4 zerglings qui vont arriver. Voilà. Donc là, les zerglings arrivent. Je vais pouvoir commencer à attaquer. Tac, tac, tac. Donc voilà, il a ses zerglings, il est content. Il est pas gentil. Il est pas gentil du tout. Voilà, on va dégager. Bon, et c'est un six pool qui ne passera pas, bien entendu. Parce que sinon, ça serait rigolo. Faites ouais, jouer. Et dans ces cas-là, si vous voyez que vous pouvez vraiment pas passer, s'il n'y a aucune chance que vous passez,
ça sert à rien de rester dans la partie, enfin. Ouais, voilà, parce que derrière, vous avez, pas d'économie, donc voilà. Bon, en même temps, c'est du Zerg contre Zerg, quoi, hein, donc... C'est un match-up un peu aléatoire, hein. Un coup, un six pool va passer, puis la partie d'après, vous aurez une meilleure strat que votre adversaire, mais vous allez perdre. Voilà. C'est un match-up qui est pas réellement intéressant, selon moi. D'accord, il fait une macro-hatch. Bon, là, je reste un peu parce que... voilà, mais je vais quitter parce que de toute façon, ça sert à rien. Voilà, on est gentil, on dit GG, et puis F10C. Voilà, voilà, donc ce sera tout pour cette première vidéo. Donc, Hitech s'occupera de faire un tuto pour chacune des deux autres races, n'est-ce pas? Et puis, à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous ait plu. À plus tout le monde. Bon, allez, on attaque la deuxième. Ouais.